chérie, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je viens vous présenter une astuce. Ne partez pas, c'est tout de suite. Eh bien oui, mes chéris, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je viens vous présenter, parler des vertus et des bienfaits et de l'extraction aussi du beurre de cacao. Voilà. Donc, avant toute chose, mes chéris, vous devez savoir que le cacao est originaire de l'Amérique du Sud, voilà, de cette zone-là. Et par la suite, il s'est peu à peu propagé dans le monde entier. Voilà. Le beurre de cacao, comme l'indique son nom, provient des fèves de cacao. Voilà. Il n'est tout autre que de la graisse qui est dérivée des fèves de cacao. Voilà. Grâce pratiquement à des procédures dites artisanales ou industrielles, ça dépend. Voilà. Le beurre de cacao, matière grasse, est de couleur blanche cassée, beige, marron, voilà, ça dépend plus ou moins, et à l'odeur du chocolat. Le beurre de cacao contient des principes actifs. Vous avez la vitamine E, la caféine, le squalène, le polyphénol et d'autres éléments. Mais il contient aussi des acides gras. Vous avez l'acide oléique, palmitique, linoléique, stéarique et plein d'autres acides. Le beurre de cacao est beaucoup utilisé dans la cosmétique pour des soins spécifiques. On le trouve le plus souvent dans des crèmes solaires, dans des crèmes au lait de corps, aussi dans des baumes à lèvres et plein d'autres éléments cosmétiques. Le beurre de cacao est idéal surtout pour les peaux sèches, les peaux matures, mais il est aussi très bon pour prendre soin des cheveux secs et abîmés. Il contient une forte dose d'antioxydants naturels qui peuvent aider à neutraliser les effets des radicaux libres tels que le vieillissement, hein, comme vous le savez, de la peau et l'apparition des rides et des ridules. Donc, le beurre de cacao est très nourrissant. Il est nourrissant parce qu'il est riche en acides gras, comme je vous l'ai dit auparavant, en particulier l'oméga 9 qui va lui donner cette qualité-là nourrissante et qui va protéger en même temps la peau. Tout ceci est possible parce qu'il va venir constituer sur la peau une barrière hydrolipidique. Le beurre de cacao est aussi un régénérant cutané parce qu'il va venir aider à stimuler la synthèse du collagène, qui est un élément assez important que produit déjà notre corps. Mais dans ce cas-là, nous lui apportons quelque chose et c'est déjà bon pour aider la peau à donner de sa souplesse et son élasticité, ce qui va la rendre encore plus belle et rayonnante. Le beurre de cacao est aussi apaisant. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il contient du squalène, comme je vous l'avais cité auparavant, qui va venir aider à conserver cette hydratation-là de la peau, ce qui va lui apporter de la souplesse. Il contient aussi des phytostérols qui vont venir aussi aider à cicatriser la peau. Donc, le beurre de cacao est idéal pour la peau et les cheveux et il va venir aider à sublimer votre peau et à la repulper. Le beurre de cacao va venir aussi aider à lutter contre la cellulite, voilà, grâce à sa teneur en caféine. Il peut être aussi utilisé en prévention contre les vergetures, voilà. Vous pouvez l'utiliser dans vos crèmes, vous pouvez faire des préparations, voilà, à la maison. L'intégrer dans vos crèmes, voilà, surtout pour ces femmes-là qui sont enceintes parce que c'est le plus souvent à cette période-là que vous avez l'apparition des vergetures, voilà. Donc, en prévention à ça, vous pouvez déjà commencer par masser votre ventre, les parties qui sont intéressées pour atténuer tout ce qui est apparition des vergetures. Comme je vous le disais auparavant, il peut être utilisé pour vos recettes cosmétiques faites maison. Donc maintenant passons à une autre phase. Comment est-ce qu'il est possible de pouvoir extraire le beurre de cacao de la coque de manière artisanale? Je vais essayer de vous donner quelques petites étapes qui pourront vous aider à le faire vous-même à la maison. En premier lieu, vous allez venir griller les graines sur un feu doux. Voilà, on appelle ça la torréfaction. En deuxième point, vous allez venir trier, voilà, le tout pour vous débarrasser des pellicules des fèves de cacao. En troisième point, vous allez venir vanner le tout, voilà, pour séparer les pellicules de fèves de cacao. En quatrième point, vous allez venir écraser les fèves de cacao jusqu'à obtenir une pâte assez lisse, voilà. En cinquième point, vous allez ajouter la pâte que vous avez obtenue dans de l'eau tiède. Et vous allez faire bouillir le tout, ce mélange-là, pendant plus ou moins une heure avec un feu assez fort, voilà.
Et après ça, vous allez commencer par diminuer petit à petit le feu et le laisser sur un feu doux. En sixième point, quand vous avez constaté que la pâte est devenue lourde et que l'huile commence par apparaître sur la surface de votre préparation, vous allez venir rajouter à cette préparation-là de l'eau froide. Ensuite, vous allez laisser reposer pendant quelques minutes cette préparation-là. Vous allez voir que l'huile va commencer par venir au-dessus de la préparation. Comme ça, vous allez pouvoir recueillir toute l'huile que vous allez voir à la surface. Ensuite, pour parfaire un peu votre préparation, cette huile-là que vous avez recueillie contient de l'eau. Donc, ce que vous allez faire, vous allez remettre cette huile-là au feu juste pour pouvoir permettre de faire tarir l'eau que vous avez dans l'huile. Donc, maintenant, là, ce que vous allez faire, vous allez arrêter le feu. Voilà. Essayez de faire refroidir assez rapidement, quelques minutes, votre préparation, l'huile que vous avez obtenue. Et après, vous allez commencer par transvaser, voilà, dans un bol à votre choix où vous désirez conserver votre beurre de cacao. Vous allez transvaser cette huile-là. Et ainsi, vous obtenez votre beurre de cacao. Il y a aussi la possibilité, mes amis, de pouvoir extraire ce beurre de cacao-là avec une machine à pression. Et là, nous portons sur la pression à froid. Voilà, cette première partie que je vous ai fait voir, c'est l'extraction à chaud. Voilà. Par contre, la deuxième façon, c'est l'extraction à froid avec une machine. Voilà. Je tenais aussi à vous préciser que lorsque vous êtes en train de faire cette préparation-là, vous devez être assez rapide parce que le beurre de cacao se solidifie assez rapidement. Donc voilà mes chéris, cette astuce que j'ai voulu partager avec vous. Si vous êtes une personne qui avait des astuces pour prendre soin de vous, voilà, et d'autres manières de pouvoir extraire ce beurre de cacao là, laissez-nous des commentaires pour partager le tout avec ces personnes là qui veulent se lancer dans l'extraction du beurre de cacao ou dans la fabrication de cosmétiques faits maison. Donc voilà mes chéris, cette vidéo que j'ai voulu partager avec vous, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. En tout cas, likez-la, partagez-la sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si vous êtes passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que vous m'avez vu pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.